Hey, salut la gang! Bienvenue à Thomas Consomme, une nouvelle série d'épisodes de Moi qui consomme. Pourquoi Thomas Consomme? Parce que j'aime ça, acheter des affaires, j'aime tester des affaires, j'aime découvrir des affaires, j'aime ça les affaires. Et aujourd'hui, pour mon premier coup, j'ai décidé de vous présenter Hershey gâteau d'anniversaire, ou en anglais pour les bilingues, birthday cake. Dans le fond, c'est quoi? Faut savoir, c'est pas une barre de chocolat parce qu'il n'y a pas assez de chocolat là-dedans. Ils n'ont pas le droit de s'appeler chocolat, fait qu'ils appellent ça des friandises. Voilà. Maintenant, c'est, je pense que c'est arrivé avec deux autres sortes de saveurs que vous avez sûrement pu voir au dépanneur. C'est genre chocolat à la menthe et gâteau vanille framboise, une affaire de genre. Mais moi, ce qui me tentait, c'était vraiment birthday cake. Donc, je l'ouvrais devant vous. Je l'ai acheté. Hein. Oh, comme on peut voir rapidement, c'est quoi? C'est que ça a l'air pas mangeable. Non, c'est pas. Ça a l'air assez chimique. On peut voir qu'il y a des petits confettis dedans. Maintenant, le plus important, c'est d'y goûter. Comme on peut voir, ça n'a vraiment pas l'air de chocolat. Qu'est-ce que vous pensez que ça goûte? Hein? Quand tu mets du sucre avec des arômes artificiels, ça goûte exactement ce que ça dit. Pardon. Ça goûte le gâteau à vanille cheap que tu achètes des mélanges Betty Crocker. Est-ce que c'est bon? Correct. Est-ce que je vais la manger au complet? Ouais. Est-ce que je recommande ça? Très bonne question. Si tu aimes le gâteau à vanille cheap, tu vas sûrement aimer ça. Sinon, honnêtement, je ne suis pas mal sûr que manger une barre au complet, tu vas te tanner avant la fin. On se reparle bientôt.